des conditions météorologiques assez délicates lors de cette 41e édition de Kurn-Bruxelles-Kurn. 226 km sous la pluie avec du vent et du froid ce 1er mars 1987. Tout d'abord, eh bien, la première partie de la course a été animée avec un groupe d'une bonne vingtaine de coureurs à l'avant de la course. Derrière, les équipes piégées sont obligées de réagir avant d'attaquer les monts les plus difficiles de cette deuxième course du calendrier en Belgique. Vous voyez ici la jonction après plus de 100 km de bataille entre le peloton et les 20 coureurs de tête. Puis on va voir un groupe de 6 se dégager dans les derniers monts. Et finalement, deux coureurs vont sortir dans le circuit de Kurn, Lammers et Peters. Ils vont être rejoints dans les derniers kilomètres par Dirk De Mol. Mais finalement, le double vainqueur de Paris-Tours du Grand Prix de Zurich 85 et double vainqueur de Paris-Bruxelles, Ludo Peters, va lancer de très loin le sprint. Derrière, eh bien, Lammers a mis trop de temps à réagir. Et c'est finalement la 42e et dernière victoire en carrière pour Ludo Peters sur ce Kurn-Bruxelles-Kurn 1987. Deuxième, Johan Lammers. Troisième, Dirk De Mol. Ciao tout le monde.